Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous. Bienvenue dans cette table ronde sur le thème « La mondialisation des échanges, catalyseur ou ralentisseur de l'agenda 2030 ». Je me présente, je m'appelle Stéphane Marchand, je suis directeur de la rédaction d'un magazine économique qui s'appelle « Pour l'écho ». On a à peu près 80 minutes pour échanger avec nos intervenants que je vous présente tout de suite. Mathias Feckel, vous êtes aujourd'hui avocat, vous avez été secrétaire d'État au commerce extérieur et vous avez été ministre de l'Intérieur. Merci d'être avec nous. Bonjour. Sébastien Treilleur, vous êtes le directeur général de l'IDRI, qui est un think tank dédié à la transition écologique et au dialogue. Bonjour, merci d'être avec nous. J'ai l'impression que vous me sollicitez pour prendre la parole. Malheureusement, je n'entends pas du tout, je n'ai pas de retour son et je ne comprends pas pourquoi. Alors non, pour l'instant, c'est moins grave que ça. C'était uniquement pour vous présenter, mais j'espère qu'on va régler le problème très vite. Pascal Lamy, vous êtes coordinateur du réseau de think tank Jacques Delors. Vous êtes ancien commissaire européen chargé du commerce international, un des seuls secteurs où l'Europe est une superpuissance. Et puis, vous êtes évidemment l'ancien directeur général de l'OMC. Bienvenue à vous. Bonjour. Et puis, à ma droite, la seule présente dans ce studio, Christine Duroux. Bonjour. Christine Duroux, vous êtes directrice associée du cabinet Kea Partners, qui est un cabinet de stratégie qui a une particularité de conseil en stratégie, c'est que vous êtes une entreprise à mission. Absolument. Et c'est très rare dans ce secteur-là. Et puis, vous êtes vice-présidente de l'association Entreprises et Progrès. Alors, on va commencer tout de suite les débats. Et peut-être que je vais demander à Pascal Lamy lui poser une question toute simple, peut-être un petit peu scolaire, mais importante, parce qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. La mondialisation des échanges a des impacts sur la qualité de l'environnement et du climat. Ces impacts vont-ils tous dans le même sens? En quelque sorte, que dit la théorie économique là-dessus? Et est-ce qu'il faut démondialiser pour sauver la planète? Pascal Lamy, c'est à vous. Rien que ça. Non, c'est une très bonne question pour rentrer dans le sujet, je crois. Vous avez mon son correctement, là, parce que j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu d'écho. Écoutez, moi, je vous entends bien. On vous entend parfait, bien, mais... Bien. Peut-être qu'on serait mieux que monter le volume un petit peu. Je vais essayer de répondre à votre question, car effectivement, la science économique, pour autant qu'il y ait une science économique, est assez divisée sur le sujet. À la question, est-ce que l'ouverture des échanges, c'est bon ou pas bon pour l'environnement, en gros, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, de la biodiversité ou d'autres sujets, la science économique nous dit d'un côté... non, d'un autre côté, oui. Alors, ceux qui pensent que l'ouverture des échanges est bonne pour l'environnement s'appuient sur la théorie des avantages comparatifs qui aboutit à ce que l'ouverture des échanges permet des gains d'efficience puisque pour produire la même chose, ceux qui sont meilleurs que les autres et qui acquièrent un avantage comparatif sur le marché international vont utiliser moins de ressources pour faire la même chose, y compris des ressources rares qui sont en général celles qu'on veut préserver quand on s'occupe d'environnement. Si l'Arabie Saoudite décide d'arrêter de produire du blé, vu ce que ça lui coûte en eau, elle va trouver une solution sur le marché international, pour autant qu'il y ait un marché national suffisamment profond pour que l'Arabie Saoudite, s'y fournissant, ne fasse pas monter les prix. En très gros, ça c'est la thèse de ceux qui disent l'ouverture des échanges apporte des effets d'efficience, de bien-être, qui font que, un, on utilise mieux les ressources, et deux, les gens deviennent moins pauvres, et en devenant moins pauvres, ils font plus attention à l'environnement. Évidemment, une autre thèse, de l'autre côté, qui dit, regardons le commerce international du point de vue, par exemple, des émissions de carbone, constatons qu'il y a beaucoup de transports et que même si 90% du commerce international est transporté par mer,
qui est moins émettrice de carbone encore que possiblement émettrice d'autres gaz à effet de serre, il n'empêche que les transports routiers, les transports par avion sont émetteurs de CO2, et donc augmenter l'échange international, c'est augmenter ces transports, et donc augmenter les émissions, et c'est d'autant plus vrai qu'on constate que si on regarde ce qui s'échange dans le commerce international, la proportion de produits carbonés est plus importante que dans la moyenne des économies. Autrement dit, il ne faut pas regarder seulement ce qu'un pays émet, il faut aussi regarder ce qu'il importe ou ce qu'il exporte comme carbone. Donc, en gros, voilà l'exposé des deux thèses. Je crois qu'elles ont chacune leur valeur et leur mérite. Et je termine en disant qu'il y a un point sur lequel tous les économistes sont d'accord, qui est que il y a une solution miracle à cette possible dualité de thèse, qui serait d'avoir un prix du carbone mondial qui serait le même pour tout le monde et qui, dans une économie de marché capitaliste globalisé, internaliserait au bon niveau les externalités environnementales négatives, et de telle sorte que les marchés, la situation des avantages comparatifs, les flux s'ajusteraient à cette nouvelle réalité. Si on a un prix du carbone à 150 euros la tonne, alors cette controverse perd largement de sa vigueur. Merci beaucoup pour cette première réponse, Pascal Lamy. Je me tourne maintenant vers Mathias Feckel. Mathias, vous étiez secrétaire d'État au commerce extérieur en 2015, pendant que la France négociait l'accord de Paris. Et donc, vous avez été aux premières loges pour étudier la question suivante. Comment cohabitent un accord, enfin les accords commerciaux de libre-échange que vous négociez comme ministre, et puis un grand accord sur le climat? Est-ce qu'il y a incompatibilité? Est-ce qu'il y a compétition? Ou est-ce qu'il peut y avoir articulation vertueuse? Comment est-ce que vous avez vécu cette époque-là? Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Et alors là aussi, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je vous entends bien. D'accord, parce qu'il y a beaucoup d'écho, donc je vais essayer de m'en sortir. Alors, merci pour votre invitation. Effectivement, moi, j'ai été en charge du commerce extérieur au gouvernement à partir de 2014 jusqu'en 2017. Et à la fin de l'année 2015 est intervenu l'accord de Paris. Donc, j'ai pu voir l'avant et l'après. Alors, je ne veux pas dire qu'on est passé de l'ombre à la lumière. Ça serait d'abord présomptueux, ensuite schématique et enfin faux. Il y a une lente montée en puissance des sujets environnementaux dans les négociations commerciales internationales. Au plus tard, à partir du sommet de Rio, des différentes décisions qui ont pu en découler. Et Pascal Lamy, qui intervenait juste avant, a dans un livre très intéressant théorisé d'ailleurs ce qu'il appelle le consensus de Genève, qu'il oppose au consensus de Washington, où toute cette réflexion sur les sujets sociaux et environnementaux est extrêmement présente et même structurante. Cela étant dit, il est vrai que l'intervention de l'accord de Paris a eu un impact fort, je pense, sur les discussions commerciales. D'abord parce que c'est un accord universel, contraignant, avec des règles extrêmement strictes et qui est opposable. Donc forcément, les accords commerciaux qui étaient en cours de discussion devaient en tenir compte. Et puis la préoccupation, l'urgence climatique est là et elle est maintenant présente dans toutes les politiques publiques. Alors le premier accord où j'ai pu mesurer ce changement, c'est l'accord avec le Canada, le CETA. Vous savez que les discussions étaient closes en 2014 et qu'elles avaient été proclamées et terminées au sommet Europe-Canada à l'été 2014. Et puis ensuite, il y a eu une réouverture des discussions. Donc c'est dire l'impact de l'accord de Paris, puisqu'il y a eu de nouvelles discussions sur toute une série de sujets. Et un des grands sujets qui ont été rediscutés, c'est l'articulation avec l'accord de Paris. Et le Canada, comme l'Union européenne, avait accepté une déclaration supplémentaire pour dire que
l'ensemble de l'accord était soumis et respectait les règles de l'accord de Paris. Donc cette articulation est quelque chose de très fort et encore une fois qui a conduit à la réouverture des discussions. Alors il y avait d'autres thèmes en discussion, notamment le sujet de l'arbitrage, on pourra peut-être y revenir. Ça, c'est la première réflexion que je voulais faire. La deuxième réflexion plus générale, c'est qu'il me semble qu'à partir de l'accord de Paris, il y a un sujet qui est monté beaucoup plus dans les discussions, c'est la question du caractère opposable des normes environnementales. Parce que on peut avoir parfois le sentiment, quand on regarde le droit international, d'avoir sur le droit économique, sur le droit commercial, des normes extrêmement strictes, opposables, avec même des régimes spécifiques d'arbitrage pour les faire prévaloir. Et de l'autre côté, un droit environnemental qui est longtemps resté un peu mou ou déclaratif, et en tout cas avec peu de conséquences concrètes. Et il me semble que de manière plus prospective, ce qui est absolument décisif, c'est que les accords commerciaux eux-mêmes contribuent au respect de l'environnement en contenant eux-mêmes de plus en plus de règles environnementales, de normes environnementales et de la possibilité de les invoquer devant les juridictions, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient internationales. Et puis le troisième et dernier point sur cette question que je voudrais faire, c'est que à partir de l'accord de Paris, se sont développées aussi dans les accords commerciaux des clauses d'encadrement au nom de l'environnement, au nom du droit de l'environnement et du respect du climat, qui limitent les possibilités de recours qu'on peut faire pour des raisons commerciales. C'est-à-dire que maintenant, à partir de l'accord CETA, mais ça vaut aussi dans d'autres accords avec Singapour, avec le Vietnam, avec beaucoup d'autres accords désormais, les choix de politique publique, les choix en matière énergétique, les choix en matière de tournant énergétique ou non, bref, ce que les États décident de faire en la matière, ne peut plus en soi fonder des contestations devant les tribunaux. Il y a là-dessus des clauses maintenant qui sont presque des clauses types, assez figées, assez précises, et qui montrent aussi l'impact de cet accord. Donc voilà, je pense que, encore une fois, inscrit dans un mouvement beaucoup plus long, il y a eu un apport très important de cet accord de Paris et qui irrigue aussi maintenant le droit commercial international. Une petite réaction immédiate, et c'est lié au... C'est pour les spectateurs qui ont participé à la table ronde précédente dans laquelle on insistait sur le fait que les pays en termes de, je dirais, responsabilité climatique étaient à des stades très différents les uns des autres. On parlait de l'Inde, de la Chine par rapport à l'Europe. Comment est-ce que les accords internationaux commerciaux tiennent compte de manière équitable de ce décalage de phase sur le dossier climatique entre les pays? Quand on achète à l'Inde, on n'impose pas à l'Inde des contraintes climatiques qu'on imposerait à la Suisse. Comment ça se goupille? Non, c'est vrai, mais ça, je pense que c'est un sujet pour l'avenir, très important, son intégration dans les accords commerciaux. Alors, ça relève des accords commerciaux, ça relève ensuite de sujets douaniers, de sujets fiscaux éventuels, de ce qu'une entité comme l'Union européenne décide ou non de faire à ses frontières en matière de taxes carbone pour établir une équité de cette manière-là. Donc ça dépasse le strict cadre des accords commerciaux bilatéraux, mais il est vrai que c'est un sujet dans les négociations à venir qui est absolument déterminant. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Christine Duroux. Christine, on va avec vous parler de choses très pratiques. Dans les acteurs de la mondialisation des échanges, il y a évidemment les multinationales. Et les multinationales, elles ont des services achats. Et le comportement des services achats, eh bien, ont une influence énorme sur, je dirais, le bilan carbone de l'entreprise et de ses fournisseurs à l'étranger. Donc, qu'est-ce que l'on peut... Comment réinventer la direction achat des multinationales pour que le bilan carbone soit positif? Oui, d'abord, plusieurs choses. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a depuis deux ans, une véritable bascule de ce point de vue-là.
avec quand même des vraies différences, les entreprises internationales ou multinationales étant confrontées peut-être à des dilemmes, et je reviens sur le dilemme avantage comparatif versus croissance et CO2, elles sont confrontées à plein de dilemmes. Et les premières en ligne de mire dans les entreprises internationales, c'est vraiment la direction achat qui, depuis 2 ans, et là on le voit, hein, chez tous nos clients, les entreprises à qui on travaille, sont en train de changer complètement. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Je vais donner un exemple dans un secteur qui est un des gros contributeurs de la balance commerciale française, qui est le secteur de la beauté cosmétique. D'accord, dans lequel on a des grands noms, on a aussi des petits noms, et on a des gens dans l'ensemble qui vendent mondialement. On a fait une étude récemment auprès des directeurs achats de à peu près toutes les grandes marques. Et alors, un, ils sont tous en train de mettre en place des critères d'achat qui sont autour de recyclabilité, réutilisation, avec d'ailleurs, au-delà de faire pression sur leurs fournisseurs, une vraie éducation des consommateurs. Et ça, pour le coup, éducation des consommateurs dans le monde. Pas seulement en Europe, pas seulement dans les marchés très matures. Donc sur cette question de, bah oui, vous revenez à la boutique pour remplir, vous n'êtes pas obligé d'acheter pour jeter, etc. Voilà. Et ça, c'est conduit par les directions achats qui mettent ça dans tous leurs fournisseurs, leur packaging, etc. Deuxièmement, parmi les choses qu'ils sont en train de mettre en place, et ça, c'est vraiment les critères d'achat fournisseur, etc., les réflexions sur le packaging. Deuxième chose qui m'ont beaucoup frappé dans cette étude, c'est le dilemme qui n'est pas facile à trancher et qui revient exactement au début de ce débat entre le made in, donc la filière France, la qualité France, le local, et le coût de transport et le rapprochement des bassins de consommation qui est quand même de plus en plus vers l'est de l'Europe. Voilà. Et là, typiquement, les directions achats et les directions finances à qui elles sont souvent rattachées sont confrontées à ça avec des arbitrages qui seront dans un mélange de on garde l'avantage comparatif, très concrètement, elles le mettent en œuvre, de ce qui est vraiment la qualité, on va dire France en l'occurrence, mais aussi Europe en local. En revanche, il y a beaucoup de choses qu'on va commencer à produire au plus près des lieux de production, par réactivité, hein, la fameuse agilité, mais aussi parce que très concrètement, ça réduit les conditions de transport, enfin les coûts de transport. Donc ça, c'est les choses qui sont aujourd'hui en train de se mettre en place. Ça veut dire des nouveaux indicateurs, ça veut dire des nouveaux savoir-faire, ça veut dire des nouveaux pilotages, et ça veut dire aussi pour elles ne pas uniquement être évaluées sur le coût, mais sur des critères beaucoup plus élargis. Encore une fois, la rentabilité reste importante. Hein, voilà. Si je comprends bien, le directeur achat d'une multinationale aurait des incitations qui se retrouveraient dans sa rémunération, par exemple, pour ne pas acheter le moins cher, mais acheter le plus climatiquement optimisé. C'est depuis quelques années ce qui est en train de se mettre en place graduellement, peut-être pas partout, mais en grande partie. Un autre exemple très concret, dans un autre secteur. On a un partenaire en Allemagne qui est très spécialisé dans chez IKEA, qui est très spécialisé dans les achats. Il travaille dans l'industrie, dans l'automotive en Allemagne. Jusqu'à il y a 2 ans, ce partenaire a des bases de données dans lesquelles ils sont en comparatif pour aller trouver pour en automotive ou en industrie ce qu'il y a de moins cher partout dans le monde, etc. Il y a 1 an et demi, il a été, j'ai envie de dire, poussé par ses clients en Allemagne à monter une base de données qui est complètement différente et qui intègre aujourd'hui un élément de soutenabilité, de conformité, d'ailleurs pas seulement environnementale, hein, mais aussi sociale, parce que c'est un aspect important des ODD, de façon à choisir dans cette base de données le meilleur fournisseur, etc., au service des directions achats. Et c'est très nouveau. Ça paraît évident à dire, c'est en fait très nouveau. Merci Christine. Alors effectivement, hein, vous avez tout à fait raison de le rappeler, hein, les ODD, l'agenda 2030, n'est pas uniquement climatique, en fait, il concerne un peu tous les leviers de la responsabilité. Sébastien Treyer, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis bien là. Très bien. Écoutez, j'ai envie de vous demander tout simplement, par rapport à la politique commerciale de l'Union européenne, comment la faire évoluer pour qu'elle porte mieux les objectifs de l'agenda 2030, justement? Alors c'est la question à 1000 euros hein, que vous posez, sur laquelle des grands noms comme Pascal Lamy travaillent. Donc je vais probablement qu'il faudra lui poser la question à lui aussi. La première chose que je voudrais dire, c'est au-delà de ce qui a été déjà présenté hein, par Mathias Fekel et Pascal Lamy, c'est qu'en fait les règles de la mondialisation qu'on a essayé de mettre en place, on essayait normalement qu'elles soient contributives au développement durable. C'était bien le principe de Rio et de la mise en place de l'OMC que dirigeait Pascal dans les années 90, d'essayer de piloter
la mondialisation d'une manière régulée vers quelque chose qui soit positif pour la sortie de la pauvreté d'un ensemble de pays par le grâce à l'accès au commerce, et puis en même temps que ça soit positif pour la planète. Et en fait, il s'avère que ça a été extrêmement positif, notamment quand on voit ce que ça a produit pour la réduction de la pauvreté en Chine, mais qu'à l'inverse, ça a plutôt accéléré les problèmes en matière de climat. Et donc, c'est bien ce défi-là de se dire comment est-ce qu'on va maintenant trouver des formes de régulation de la mondialisation des échanges qui permettent de régler ces enjeux climatiques. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Et en particulier, il me semble que vu les difficultés que connaît actuellement l'Organisation mondiale du commerce, le rôle que peuvent jouer les négociations bilatérales de l'Union européenne avec les autres grandes régions du monde c'est extrêmement central. Et Mathias Fekl l'indiquait, ce que l'Union européenne discute avec le Canada, ce que l'Union européenne discute avec les pays du Mercosur, c'est structurant. Ça donne une manière dont on peut essayer de repenser la régulation mondiale des échanges à la faveur de ce qui peut s'expérimenter entre l'Union européenne et d'autres régions du monde. Je voulais revenir en fait conceptuellement sur la question que vous posiez tout à l'heure. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je ne préfère pas rentrer dans l'outillage juridique, je préférerais d'abord revenir sur la question que vous posiez tout à l'heure. Vous disiez, finalement, on a à la fois une responsabilité différenciée, c'est dans les principes de Rio, en anglais c'est CBDR, Common but Differentiated Responsibility, donc responsabilité commune mais différenciée entre les pays de la planète en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de protection de la biodiversité. Dans toutes les conventions de Rio, ça apparaît, CBDR, ce principe de responsabilité commune mais différenciée. Et puis, il y a aussi les différentes étapes en matière de développement dans lesquelles se situe le pays. Et donc, idéalement, avec l'agenda 2030 et l'accord de Paris, on a quand même un cadre dont l'esprit, c'est de dire chaque pays définit sa propre trajectoire de développement socio-économique qui soit décarboné, compatible avec la biodiversité et compatible avec la réduction des inégalités. C'est ça le programme politique que constitue l'agenda 2030, c'est un programme politique que la planète a validé, que tous les pays de la planète ont validé en 2015, et c'est bien un programme de transformation de chacune des économies. Si chaque pays, disons l'Indonésie, fixe sa trajectoire à 2030 et 2050, comment l'Indonésie va réussir à diminuer les écarts de revenus dans son propre pays, à sortir les couches les moins favorisées de la population de la pauvreté, tout en protégeant son environnement et donc en luttant notamment contre la déforestation, pour prendre cet exemple-là, tout en étant probablement un pays, si l'Indonésie veut faire les deux, ça va passer par un certain nombre d'exports de commodités, de marchandises agricoles pour pouvoir aider ces plus petits agriculteurs. Si l'Indonésie définit cette trajectoire-là et qu'elle est crédible, et que de notre côté, en Europe, on essaye de définir à quoi ressemble notre trajectoire de développement durable pour rester dans les limites de la planète, comme le Green Deal le propose, hein, avec moins 55% de gaz à effet de serre, protection de la biodiversité, zéro pollution. À ce moment-là, le commerce devrait venir entre nos deux grandes régions, entre l'Indonésie et l'Europe, travailler à voir comment est-ce qu'on pourrait accélérer ces transformations, transformations qui auraient été définies par chaque pays selon ses propres spécificités historiques, politique, économique, sur la manière dont il se situe sur les différentes trajectoires de développement, et ensuite essayer de voir comment les règles commerciales qu'on se donne entre nous viennent accélérer nos transformations plutôt que de nous tirer dans l'autre sens. Ça, c'est le schéma idéal sur lequel je pense on pourrait essayer d'attirer les négociations actuelles, mais vous voyez bien qu'on en est relativement loin parce que chaque pays n'a en fait pas défini sa trajectoire de développement durable de manière aussi précise et qu'il faudrait encore qu'elle soit crédible. Mais il me semble que c'est très important de dire qu'en 2015, les bases qu'on a eues avec l'accord de Paris et l'agenda 2030 sont extrêmement solides conceptuellement pour pouvoir normalement réinvestir maintenant la négociation commerciale depuis ce schéma conceptuel. Et moi, ça me semble très important. Je me permets de souligner un dernier point. Quand j'ai accompagné le groupe de citoyens de la Convention citoyenne pour le climat en France sur le volet se nourrir, la plupart des citoyens m'ont dit en fait il faut absolument qu'on produise le plus possible de notre alimentation en France parce que tout ce qui vient de loin c'est mauvais, notamment à cause du transport. Et donc ça c'était vraiment la vision des citoyens de se dire. Plus on a des circuits courts géographiquement, mieux c'est pour le développement durable de la planète et mieux c'est pour l'environnement et pour nous.
Et j'ai dû, à ce moment-là, leur expliquer plusieurs éléments qui me paraissent importants d'avoir en tête. Le premier, c'est que le problème du commerce international, c'est moins le coût en carbone du transport maritime, qui est en fait important, mais pas forcément majeur. C'est plutôt la manière dont le commerce international a pu conduire à une forme d'emballement de la production, de biens, de consommation, etc. Et donc, c'est plutôt cette dimension-là, cette dynamique-là qu'il faut absolument traiter. Puis le deuxième point que j'ai dit aux citoyens, c'est que, imaginez les petits paysans indonésiens, mais encore plus que les petits paysans africains. Là, je suis au sommet Afrique-France à Montpellier et c'est une dimension extrêmement importante. Si eux veulent atteindre la prospérité, probablement qu'il faut qu'ils arrivent à vendre leurs marchandises sur nos marchés. Et donc, la vision d'une relocalisation telle que les citoyens se la représentaient, relocaliser notre système alimentaire, voulant dire s'autonomiser dans une logique un peu d'autosuffisance, elle ne me semble pas alignée avec l'agenda 2030. C'est pour ça que j'indiquais, si chaque région exportatrice et importatrice peut fixer sa trajectoire de long terme de compatibilité avec l'agenda 2030 et avec la décarbonation telle que le dit l'accord de Paris, et qu'ensuite on vient avec des négociations commerciales essayer d'aider chaque pays à faire sa transition, ça me paraît positif, plutôt que d'essayer de réfléchir à une forme de sortie du commerce qui ne paraît pas quelque chose de positif. Merci beaucoup Sébastien. Pascal Lamy, vous venez d'écouter Sébastien Treyer définir un petit peu le framework de réflexion de l'Europe quand elle s'adresse à ses partenaires. Comment est-ce que vous vivez ça? Vous avez piloté le commerce de l'Union européenne pendant des années, vous avez ensuite piloté l'OMC. Comment est-ce que vous voyez la méthode actuelle? Elle vous paraît la bonne? C'est le bon mix de régulation, de loi, de quelle est votre réaction? Alors, il existe à votre question une réponse en 6 chapitres d'une vingtaine de pages chacun qui ont été publiés, qu'on appelle la troisième sœur des instituts Jacques Delors, qui s'appelle europejacquesdelors.eu à Bruxelles, et où, comme ça a été dit tout à l'heure, avec la personne qui dirige cet institut Jacques Delors à Bruxelles, Jean Ponce, nous avons écrit depuis 2 ans un agenda de verdissement de la politique commerciale de l'Union européenne, qui fait le tour de la question, qui fait un certain nombre de propositions dans divers domaines, y compris celle qui a attiré le plus d'attention, puisque nous avons été les premiers à mettre sur la table une maquette d'ajustement carbone à la frontière à la fin du printemps 2020. Étant entendu que la proposition de la Commission est arrivée en juillet de cette année, il y a toute une série d'améliorations à apporter à la politique commerciale de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la réglementation interne que l'on contrôle aux frontières et qui soumet un certain nombre de nos importations à un certain nombre de nos critères sanitaires, de sécurité, environnementale. Il y a tout ce qui ressort du multilatéral, c'est-à-dire de ce que quelle position l'Union européenne porte à l'OMC sur l'articulation entre les règles du commerce international et le verdissement des économies, y compris la lutte contre la dégradation de la biodiversité, et puis il y a tout ce qui ressort, et Mathias en a parlé, des accords bilatéraux. Donc, c'est un très très grand univers. Je reviens un peu à la question globale par laquelle on a commencé et que Sébastien vient de traiter, et que vous avez, Madame, traité en parlant de la bagarre possible entre le directeur des achats et le directeur financier. Il y a effectivement une solution qui consiste à mettre le prix du carbone à 150 euros par tonne, ce qui mettra d'accord le directeur des achats et le directeur financier. Parce que là, il n'y a plus à discuter, on paye la tonne de carbone à 150 euros, on achète ce qui correspond à cette empreinte environnementale et on intègre ça à des coûts qui, effectivement, modèlent les profits. C'est une vue de l'esprit. Et donc, j'en reviens à ce qui a été dit par Sébastien. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui tous d'accord pour dire, par exemple en matière climatique,
il faut entamer une trajectoire de décarbonation de nos économies, sauf que ces trajectoires de décarbonation, elles sont différentes. Hein, aujourd'hui, le prix moyen payé par un opérateur moyen dans le monde à la tonne de carbone, ça doit être de l'ordre de 12,5 €. La semaine dernière, dans l'Union européenne, c'était 65 €. Et donc là, on a évidemment un problème, puisque si on impose 65 € la tonne à nos opérateurs, et on en est loin, comme vous le savez, il y a seulement une partie de l'économie européenne qui paye son carbone au vrai prix, qui est en gros l'industrie énergétique, la production d'électricité, alors que bien d'autres sont encore bénéficiaires d'allocations gratuites qui font qu'on leur donne des allocations gratuites qui fait qu'ils n'ont pas à payer leur tonne de carbone. Laissons ce problème de côté pour l'instant. Le fait que les trajectoires soient différentes, que les outils pour pricer le carbone soient différents, dans un cas c'est une taxe, dans un autre c'est un commerce de permis d'émission, dans un troisième cas ça va être de la réglementation, comme par exemple les Américains entendent le faire, dans un quatrième ça va être des solutions, on est en face d'un gros problème de coordination dans les règles du commerce international, et nous avons proposé dans cette série de papiers, je rappelle, vous pouvez trouver sur europe-jacques-delors, en un seul mot, .eu, par exemple, de créer un forum de comparabilité à l'OMC entre ces différentes trajectoires et ces différents moyens de pricer le carbone, qui en réalité devrait devenir un forum de compatibilité. Et si cette compatibilité n'est pas là, alors il devient inévitable d'avoir des systèmes comme ce que l'Union européenne va mettre en place, fameux CBAM, en français MACF, mécanisme d'ajustement carbone à la frontière, c'est plus joli en anglais parce que ça sonne mieux, et ça c'est inévitable si la différence de trajectoire que Sébastien a à juste titre rappelé, à l'intérieur d'un consensus sur le fait qu'il faut décarboner nos économies, est telle que si on n'y prend pas garde, on va provoquer des fuites de carbone. Hein? Si les Européens délocalisent ailleurs parce que le carbone est trop cher en Europe et qu'il est moins cher ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? On va déplacer tout simplement les émissions de carbone et on va provoquer des fuites de carbone qui seront non pricées ailleurs. C'est un problème très compliqué qui pose, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, en tout cas, j'écoute bien ce qui a été dit, qui pose des problèmes nouveaux de régulation, de coordination internationale sur un sujet qui, jusqu'à présent, n'avait pas été un sujet central. Ce qui vient à l'esprit, évidemment, c'est le climat et le CO2, mais il y a d'autres enjeux. La biodiversité, les océans, les systèmes marins et aquatiques qui sont en voie de dégradation rapide, tout ça se connecte à l'échange international. Et donc, au fond, moi, je rêve un peu de quelque chose qui serait, au fond, l'équivalent de ce qu'on a fait avec le GIEC pour établir un certain nombre de vérités d'ordre scientifique et en matière économique. On n'est pas dans la science aussi dure. Mais il faudrait que, quelque part, ces sujets viennent sur la table. Et aujourd'hui, il n'y a que l'OMC. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les membres de l'OMC n'ont pas l'air pressés. Merci beaucoup. Ça fait deux ou trois fois depuis le début de la table ronde que est fait allusion à la responsabilité différenciée des pays. Il faudrait quand même dire pour notre auditoire qu'ils aient une sorte d'avis actuel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une phase de convergence, mais il faudra être patient, mais on va vers la convergence? Ou est-ce qu'on est dans une phase de divergence qui va nous obliger au protectionnisme que vous venez de suggérer, Pascal Lamy? Moi, je fais la différence entre ce que j'appelle le protectionnisme et le précautionnisme. Le protectionnisme, c'est quand vous protégez vos producteurs de la concurrence étrangère avec des droits de douane, des subventions, des restrictions quantitatives. C'est vieux comme le monde, et on sait à peu près comment faire quand on aime ça et comment faire quand on n'aime pas ça.
Je pense que ça n'est plus vraiment le problème d'aujourd'hui, compte tenu de l'imbrication des systèmes de production qu'a apporté la globalisation, même si elle connaît des phases un peu différentes et que la période de Covid aura donné une inflexion dans un certain nombre de domaines. Je crois qu'il faut s'intéresser beaucoup à ce que j'appelle le précautionnisme. On ne protège pas le producteur de la concurrence, on protège la population de risque en matière sanitaire et de plus en plus en matière environnementale. Les règles de l'OMC offrent des nombreuses possibilités de le faire. Pas toujours clair pourquoi et comment. On a eu des contentieux à l'OMC dans le passé qui ont donné des indications dans un sens et dans l'autre, et que les juristes comme Mathias connaissent bien. Mais je crois vraiment qu'il faut de plus en plus examiner cette affaire de précaution et de précautionnisme. Ce que disait Sébastien d'ailleurs tout à l'heure sur les pays en développement, de nos jours, ça devient largement un problème de précaution. Hein, si je suis producteur rwandais de fleurs, je vais exporter zéro tarif, zéro restriction quantitative aux États-Unis, en Europe, au Japon. Simplement, l'Europe, les États-Unis et le Japon n'ont pas les mêmes standards de résidus de pesticides dans les fleurs coupées, ne les pèsent pas avec les mêmes machines, ne les certifient pas selon les mêmes critères, et donc tout producteur rwandais de fleurs avec un gros avantage comparatif, parce que j'ai de la bonne terre, j'ai du bon soleil, j'ai de la main-d'œuvre pas chère, je vais être obligé de produire des fleurs pour les Américains, et de produire des fleurs pour les Européens, et de produire des fleurs pour les Japonais, et ce faisant, je vais perdre une grande partie de l'avantage comparatif que j'ai. Et donc, il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. J'étais cette semaine avec Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, au sommet de l'élevage en Auvergne, ça a été un échange un peu frité par moment, parce que beaucoup des agriculteurs qui étaient là me disaient « on n'a qu'à imposer nos normes à la frontière, comme si ces normes étaient imposables au monde entier, sous prétexte qu'on les applique chez nous. C'est évident qu'on ne peut pas laisser rentrer n'importe quoi, mais c'est probable aussi qu'il faut mieux se concerter avec un certain nombre d'autres pays pour savoir quelle est la bonne dose d'antibiotiques ou d'hormones ou de pesticides ou de néonicotinoïdes qu'on tolère dans le commerce international. Et là, je crois qu'il y a tout un champ qui doit être bien davantage ouvert que ça n'a été le cas jusqu'à présent. D'accord. Merci beaucoup. Mathias Feckel, je vais revenir vers vous. Essayons de donner à la conversation un aspect peut-être plus positif, enfin au lieu de lister les problèmes, parce que c'est important de lister les problèmes, mais si on se projette dans un avenir un petit peu rêvé, comment est-ce que vous pourriez nous décrire, selon vous, ce que serait une mondialisation verte? Qu'est-ce que ça serait? Ça ressemblerait à quoi? Ça fonctionnerait comment? Vaste et importante question. Alors au pire, c'est un slogan. Et on a connu des slogans sur la mondialisation dans le passé, notamment la mondialisation heureuse. On voit bien où ça a mené malheureusement. Et moi je pense qu'il ne faut pas être dans des choses trop idéalistes, au sens où il y aura des efforts importants à fournir dans les années à venir. Et l'urgence climatique, les sujets environnementaux, me semble-t-il, conduiront en partie aussi à des choix assez durs à mener dans tous les pays. Alors cela étant dit, après il ne s'agit pas non plus de passer son temps à s'accabler, moi je vois quatre dimensions, quatre directions dans lesquelles il faut travailler pour aller vers cette mondialisation verte dont vous parlez. La première, c'est une action politique et normative mondiale, internationale, et la plus universelle possible. Pour une raison évidente, et pardon de dénoncer de telles évidences, c'est que le problème posé est global et donc la réponse doit être globale aussi. Ça n'a aucun sens de faire des choses dans son coin, alors même qu'il y a des externalités dans tous les sens et que l'humanité a partie liée sur ce sujet. Ça commence d'ailleurs au sein même de l'Union européenne. Moi, j'étais tout à fait navré de voir que même des pays aussi proches que la France et l'Allemagne, lorsqu'elles décident de l'avenir de leur politique énergétique, à peu près au même moment,
le font avec très peu de concertation et le font par ailleurs dans des sens tout à fait divergents, ou en tout cas non coordonnés. Donc je pense d'abord qu'il y a une action partenariale à mener très forte entre pays amis et partenaires, et ensuite ce qu'on a pu appeler une forme de gouvernance mondiale à inventer sur ce sujet-là et à porter. Et je crois beaucoup à l'articulation d'actions classiques entre États et puis d'actions supranationales. Il faut les deux. Il faut que tous les acteurs du système international là-dessus essayent de travailler ensemble. Je crois aussi beaucoup, mais là-dessus, Pascal est meilleur juge que moi pour avoir été à la tête de cette institution, qu'une instance comme l'OMC peut avoir un rôle très important à jouer parce qu'elle a des organes qui permettent de manière contraignante de faire respecter des règles. Et donc, lorsqu'on réussit à faire rentrer des règles environnementales dans le droit commercial international, plus qu'ailleurs, elles peuvent devenir opposables. Donc, première direction, l'action normative mondiale. Le deuxième axe, pour essayer de vous répondre, c'est la réflexion sur les biens environnementaux et la manière dont ils peuvent circuler autour de la planète. Parce que là aussi, Pascal, tout à l'heure, rappelait l'apport de la théorie économique sur ce sujet et le bien et le mal qu'on pouvait voir au commerce international. Certains pays sont très en avance sur tel ou tel produit qui apporte un plus au respect de l'environnement, que ce soit en mode de transport propre, que ce soit en mode de batterie, que ce soit en mode de production énergétique. Et donc, et d'ailleurs des choses ont été engagées là-dessus très fortement par l'Union européenne, il faut voir comment ces biens-là peuvent circuler de manière plus facile autour du monde, justement parce qu'ils permettent de diffuser un progrès technique qui a été inventé à un endroit du monde et qui peut se transposer ailleurs. Ça peut valoir encore une fois pour des vélos, pour des véhicules tout à fait particuliers, pour des modes de d'épuration des eaux. On peut le multiplier à l'infini. Et là-dessus, les initiatives de négociation spécifiques sur les biens environnementaux, sur la manière dont on leur facilite l'entrée dans les différents pays, est quelque chose de très intéressant à regarder parce que ça montre aussi que dans certains cas, le commerce international peut apporter un plus à l'environnement. C'est pas automatique, moi je crois pas du tout là-dessus à l'automaticité, mais cet effet de levier peut exister. La troisième dimension, et elle est d'ailleurs bien spécifiée dans les objectifs du développement durable, c'est le rôle des acteurs privés. Les objectifs du développement durable prévoient des partenariats très forts avec les entreprises, les associations, la société civile. Alors les acteurs privés, dans cette mondialisation verte, ils ont un rôle à jouer, que ce soit de mobilisation et d'alerte venant de la société civile dans son ensemble, que ce soit d'une contribution spécifique des entreprises. Je pense d'abord à tout ce qui est fait en matière de recherche et d'innovation, et d'invention de nouveaux produits, de nouveaux process de fabrication. Et on ne réussira pas à faire cette mondialisation verte sans les entreprises. Et puis des contributions très concrètes d'acteurs du commerce international qui apportent un plus aussi. Moi, j'ai par exemple vu avec beaucoup d'intérêt la décision annoncée par CMA-CGM, le transporteur maritime, de ralentir la vitesse de ces bateaux, de réduire la vitesse pardon de ces bateaux, en disant on a besoin de commerce. D'ailleurs, on a bien vu pendant la pandémie à quel point des blocages ici ou là dans le système de transport international pouvait avoir des conséquences très fortes. Donc, on a besoin de ce commerce, mais on peut faire différemment à l'avenir. Et en réduisant la vitesse des bateaux, on peut faire des économies d'énergie tout à fait substantielles. Dès lors qu'on anticipe mieux les choses, qu'on revoit les circuits, qu'on prévoit tout ça, c'est absolument possible de continuer à assurer un niveau de développement et de circulation des biens élevé, tout en étant plus économe des ressources rares. Derniers acteurs privés, enfin, c'est les consommateurs qui ont aussi une contribution très forte à apporter. Vous êtes responsables aussi, nous sommes tous responsables dans nos actes d'achat d'une contribution. On n'est pas obligé systématiquement d'acheter la bouteille d'eau qui vient de l'autre bout du monde. On peut acheter la bouteille d'eau qui vient de près de chez nous, voire prendre l'eau du robinet, et ça vaut pour beaucoup de produits. Donc ça, évidemment, c'est fort. Et puis, tout dernier point,
Parce que le développement durable auquel vous consacrez ces très importantes journées de réflexion et de débat, elles intègrent aussi la dimension sociale. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Je pense que la mondialisation verte ne peut exister que si elle intègre totalement cette dimension sociale. Là aussi, ils sont dans les objectifs du développement durable, que ce soit la question des inégalités, que ce soit la question de droit du travail, de qualité au travail. Et donc, il y a des articulations aussi à inventer et à construire entre les différentes organisations internationales, et je pense en particulier à l'Organisation internationale du travail, qui est une très belle organisation internationale, mais quand même beaucoup moins efficiente aujourd'hui que d'autres, moins efficace, parce que dotée sans doute de moins de compétences que ce qui serait nécessaire. Donc il y a besoin de réhabiliter aussi cette organisation-là, de lui donner un poids plus important et de faire en permanence le lien entre commerce, sujets environnementaux et sujets sociaux. C'est comme ça qu'on pourra le mieux possible construire une transition qui, encore une fois, impliquera des choix douloureux et des conséquences sans doute assez fortes sur les citoyens. Et sur ces trois piliers, il faut avancer ensemble. Il y a des réflexions très intéressantes là-dessus d'Alain Supiot, notamment dans l'esprit de Philadelphie, que je livre à la réflexion générale. Merci beaucoup, Mathias Feckel. On commence à avoir pas mal de questions de notre auditoire, mais vous avez fait allusion aux acteurs privés. Je vais me retourner à nouveau vers Christine Duroux, notre spécialiste des entreprises. Comment vous voyez donc la mondialisation verte dont qu'évoquait à l'instant Mathias Feckel, le rôle des entreprises sera de toute façon majeur, et ce sont déjà aujourd'hui probablement les acteurs les plus innovants en la matière, déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez comme transformation interne de l'entreprise spectaculaire, pas anecdotique, mais spectaculaire, qui pourrait intervenir au service justement de cette mondialisation verte? Alors, la transformation la plus immédiate que je pourrais voir et qui est en train de se passer, c'est le positionnement du sujet. Et le positionnement du sujet, ça veut dire très concrètement dans les entreprises, le fait de dire, pendant très longtemps, il y a eu le ou la spécialiste RSE qui était cantonné à des sujets, qui était rattaché, d'ailleurs on ne sait pas très bien à qui, ou voire qui était, et désolé pour les gens de communication, qui était uniquement la communication. Donc là, il n'y a rien de pire, parce que ça veut dire que, grosso modo, derrière, les leviers opérationnels ne sont plus là. Replacer, et c'est une question d'ailleurs sur laquelle on travaille, replacer cette question-là, l'atteinte des ODD, le pilotage, quelque chose d'un peu intégré dans la contribution aux ODD au centre de la stratégie, c'est probablement quelque chose qui ne se fera pas en un jour, mais qui est absolument indispensable. Et dans ce cadre-là, ce qui a été fait, en particulier, pas mal poussé par la France, mais ça existe dans d'autres pays, autour de la raison d'être, d'accord, qui n'est pas uniquement un truc de com, qui est juste de se dire pourquoi on est là, comment est-ce qu'on pilote notre contribution au monde, et comment surtout, au-delà des fameux clients, salariés et actionnaires, on rajoute tout le reste, hein, d'accord. Ça, c'est pour le coup un point de départ qui est en train d'être pris et dont je ne voudrais pas qu'il soit oublié ou qu'il soit gadgetisé. Donc ça, il y a ça qui est en train de se passer. Donc positionnement de la RSE, question de travail sur la raison d'être. Moi, il y a une troisième chose qui me tient à cœur. Et là, je ne vais pas parler forcément d'environnement, en fait. Je vais parler de la question plus généralement de la gouvernance et du management. La chose qui a commencé à se passer dans certaines entreprises et qui est en train de se passer aussi, c'est un changement assez profond dans la prise en compte des parties prenantes et pas forcément des associations, etc. C'est simplement, par exemple, la prise en compte des parties prenantes dans les pays. Tous les pays ne sont pas au même niveau, mais les filiales à l'étranger, quand on est un grand groupe français par exemple, ont des choses à apprendre. Moi, il y a ça 2 ans, j'ai piloté un grand groupe de travail dans un secteur de la construction sur la question de la prospective, la ville durable, qui est un des objectifs 2030. D'accord ? Ben, ce que la filiale en Indonésie ou en Thaïlande ou en Inde a à contribuer sur les innovations, ce que veut dire une ville durable aux Parisiens, est absolument intéressant. Donc, troisième, à mon avis, chose très importante et qui n'est qu'au début, c'est changer la façon dont, dans les entreprises, on élabore la stratégie, on travaille, on ne manage pas du siège vers la périphérie, et on arrive et on investit sur la prise en compte des parties prenantes, encore une fois, pas seulement les associations qui vous embêtent, d'accord, mais aussi tout simplement à l'intérieur des entreprises, tout ce qui est local, d'accord, tout ce qui est des filiales, ça me semble être extrêmement important. Voilà. Merci beaucoup, Christine.
Les questions continuent. J'en pose quand même une dernière à Sébastien Treilleur avant de passer aux questions de l'assistance. Depuis le début des RDD, c'est revenu vraiment souvent cette histoire, c'est la question des relocalisations. Quelle est la bonne dose de relocalisation, en fait, selon vous? Et alors, évidemment, il ne s'agit pas de donner un chiffre, mais plutôt de dire comment est-ce que une entreprise doit raisonner quand elle envisage de relocaliser, parce que la pression, je dirais, politico-sociale autour de ce sujet monte rapidement. Votre micro est... Ça y est, pardon, excusez-moi. Je pensais que j'avais pris l'habitude, mais non, toujours pas. La question de la relocalisation est extrêmement importante à bien conceptualiser, c'est-à-dire que on a discuté à la fois des relocalisations pour les questions d'autonomisation stratégique. Ça, c'est quelque chose qu'on entend en Europe qui est extrêmement important et qui n'est pas de la même nature que l'idée de relocaliser pour pouvoir être aussi plus en ligne avec les objectifs de développement durable. Et je pense qu'il faut vraiment avoir en tête ce qu'on veut faire en matière de relocalisation. Je trouve ça assez frappant, effectivement, que beaucoup des entreprises avec qui on travaille à l'IDRI réfléchissent à cette question de la modification de leur chaîne de valeur, de leur chaîne d'approvisionnement, pour parler en français, parce que value chain, c'était pas vraiment le mot que je cherchais à avoir. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que vous ayez mis ça lors du jour de notre discussion aujourd'hui, la matérialité de ce que c'est que cette mondialisation et comment est-ce qu'on va essayer de rapprocher le producteur du consommateur, comment est-ce que, d'une certaine manière, on questionne à la fois la chaîne logistique, sa sécurité, la manière dont on pourrait être plus proche, mais on questionne aussi la manière dont l'entreprise se relie au territoire où elle intervient. Et on voit beaucoup de grands acteurs transnationaux français qui réfléchissent à la manière non pas de relocaliser nécessairement tous leurs emplois en France, mais de se dire comment est-ce que je peux participer à des projets à l'échelle d'une grande région, d'un grand bassin de production français, pour que je participe à la création d'emplois dans ce territoire. Et d'une certaine manière, c'est plutôt réinventer l'économie dans les territoires que de relocaliser ce qu'on avait délocalisé en Chine. Et je trouve que le mot relocalisation est donc à la fois important et piégeux, parce qu'il est polysémique et aussi parce qu'il ne dit pas très bien ce qu'on essaye de faire. Je vais prendre juste un dernier exemple, parce qu'il y a des questions de l'assistance, mais sur le sujet alimentaire que j'évoquais tout à l'heure à la faveur de la discussion avec les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, il me semble important de se dire qu'ils ont raison, les citoyens, de dire que les circuits courts vont être très importants dans le système alimentaire. Mais le circuit court, ça veut dire d'essayer de rapprocher le consommateur du producteur, parce qu'on a remarqué que plus le consommateur et le producteur sont proches, mieux on se nourrit d'un point de vue nutritionnel, plus on est proche de la matière première agricole, mieux on se nourrit, les produits ultra transformés ne sont pas bons nutritionnellement, et plus on a des chances aussi d'intégrer dans nos actes d'achat, comme le disait Mathias Fekel tout à l'heure, quelque chose qui a à voir avec l'environnement dans la condition de production, dans les conditions de production. Mais des chaînes qui aient peu d'intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement, ça ne veut pas forcément dire que c'est à courte distance. Et donc c'est ça que je veux dire, la relocalisation, c'est aussi réfléchir à l'objectif qu'on a pour produire dans les pays où on s'approvisionne et dans les pays où on consomme les transformations dont on a besoin. Donc je m'excuse, je reste très conceptuel, mais vous voyez que j'essaye de résister à la tendance de dire la relocalisation c'est simple. Non, c'est toute une réinvention des chaînes d'approvisionnement qui est extrêmement importante. C'est pour ça que la présence de madame autour de notre table est extrêmement utile dans ce débat, pour qu'on ne soit pas que sur les règles du commerce et sur sa matérialité. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que les Mathias Fekel utilisait, je crois, tout à l'heure l'exemple de faut-il mieux de l'huile fabriquée à l'étranger avec une huile de palme raisonnée et contrôlée plutôt que de venir le faire en France dans des conditions qui seront non économiques et peu respectueuses de l'environnement. Donc ce sont des sujets qui sont effectivement compliqués. Alors les questions de l'assistance, il y en a pas mal qui tournent autour de l'agenda 2030 lui-même. Anne qui nous demande est-ce que les tensions politiques et géopolitiques liées au commerce international sont susceptibles d'être surmontées par la mise en œuvre de l'agenda 2030? Est-ce un outil suffisamment puissant pour cela? Et une question subsidiaire de Grégoire, la diplomatie est-elle un adjuvant ou un adversaire de la mondialisation verte? Donc finalement, voilà, ces deux questions qui tournent autour de est-ce que toutes ces gigantesques machineries internationales, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut emmener le monde dans une certaine direction? Quel est votre avis, Pascal Lamy? Moi, je suis, sur ce sujet, pessimiste à court terme.
est plutôt optimiste à long terme, étant entendu que, par définition, si je puis dire, le court terme passe avant le long terme, et que donc on a un sérieux problème dans les années qui viennent, qui est en gros la combinaison du retour de la géopolitique dans la géoéconomie qu'on a connue avant la crise Covid, et que la crise Covid a sans doute accéléré, d'abord parce que la relation sino-américaine ne s'arrange pas, et ensuite parce que malheureusement, la crise Covid, en plus des dégâts sanitaires et économiques qu'elle a fait, est en train de provoquer une cassure nord-sud qui résulte de la situation d'apartheid vaccinal dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le nord est vacciné à 70%, le sud à 7%. Cette disproportion va laisser des traces considérables, y compris en matière de consensus à trouver au niveau international sur les questions environnementales, parce que c'est bien beau d'arguer de la solidarité inévitable que crée le défi du changement climatique. Enfin, il y a des solidarités de type vaccinal qui devront être un peu mieux matérialisées avant que, par exemple, nos amis africains reviennent à une table de négociation à qui on va expliquer qu'ils ont aussi des efforts à faire pour mieux faire face aux défis du changement climatique. Donc, à court terme, nous allons avoir un problème sérieux, et d'ailleurs on va en parler au Forum de Paris sur la paix en novembre prochain, où le thème de cette année, en anglais, mais il y a aussi une traduction française, mais en anglais ça fera plus, c'est « Mind the gaps ». Nous allons devoir surmonter, pour faire face à ces grands défis collectifs, au premier rang desquels la question du monde mondial, une période compliquée. Alors, à terme, je pense que, un, les opinions sont en train de bouger rapidement, que les jeunes sont en train de bouger beaucoup plus rapidement que les vieux, et qu'à un moment, ces jeunes vont finir par voter. Hein, aux élections européennes de 2019, la seule vraie participation citoyenne qui a augmenté, c'est celle des jeunes. Et c'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait un hasard si le Parlement européen issu des élections de 2019 est celui du Pacte vert. Donc, je pense, et j'ajoute aux facteurs de transformation, le fait qu'une partie de la finance, c'est-à-dire le nerf de la guerre du système capitaliste, est en train de bouger. Je ne dis pas que c'est la finance verte qui sera la solution. Il n'empêche que si les fonds de pension américains ou norvégiens décident d'arrêter d'investir dans les économies fossiles, ça a des conséquences sur le prix de l'argent pour les industries fossiles, et donc ça accélère le basculement aux énergies renouvelables. Donc je crois qu'à terme, il y a des choses qui sont en cours. Je ne dirais pas qu'on est aujourd'hui sur la bonne pente, d'ailleurs ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on n'est pas sur la bonne pente, mais je pense qu'il y a une marge d'accélération, et de ce point de vue-là, on n'est pas toujours content d'être européen quand on se regarde par rapport au reste du monde sur un certain nombre de critères. On n'est pas très puissant, on n'est pas sûr de tenir notre rôle entre la Chine et les États-Unis pour nos enfants et nos petits-enfants. Il n'empêche que l'Europe est en train d'acquérir une sorte de leadership dans la transformation écologique et qu'à supposer qu'elle comprenne qu'elle n'est plus seulement une entreprise géoéconomique mais bien une entreprise géopolitique, alors nous pourrons être un facteur d'accélération. Donc de ce point de vue-là, je pense que si l'Europe continue dans la voie et l'entreprise d'un certain point de vue la singularise encore par rapport au reste du monde, je pense que ce sera une contribution importante et que pour l'instant, il faut vraiment compter là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce que Mathias ou Christine ou Sébastien, vous voulez réagir sur cette question-là? J'en ai une autre.
J'en ai une autre, une question qui contient un petit peu sa réponse, qui est sur le principe de précaution. Alors c'est indirectement lié au sujet, mais les opposants au principe de précaution, donc j'imagine que l'auteur de la question en fait partie, sont inquiets à l'idée que cela freine l'innovation et que l'innovation étant le moteur clé de la croissance, le principe de précaution soit une sorte de concurrence déloyale dans le commerce des pays qui le pratiquent, en particulier la France. Qui a envie de répondre à cette question de Olivier ? Si vous voulez bien. Sébastien ? La première chose que je voulais dire, c'est que le principe de précaution qui est entré dans la Constitution avec la Charte de l'environnement en 2003, c'est un principe d'innovation. Ce n'est pas du tout un principe de rétrogradation. Le principe de précaution dit si on a des indications suffisamment sérieuses qu'il pourrait y avoir un dommage environnemental ou pour la santé, alors il est urgent d'agir, de mettre un moratoire temporaire et de faire beaucoup de recherches pour mieux comprendre et pour avancer. Donc c'est une incitation à la recherche, le principe de précaution. Et je me permets de dire qu'il y a un débat extrêmement faussé en France qui oppose principe de précaution et innovation, et je m'insurge que ça soit une lecture aussi ras des pâquerettes, excusez-moi, du principe de précaution, qui est un principe extrêmement important de notre Constitution. Et je ne fais pas l'injure à l'auditeur, à la personne de l'assistance de l'avoir souligné, je dis bien que ça, c'est quelque chose que j'entends encore beaucoup en France, et il me semble que ça mérite d'être réaffirmé très fortement. Ensuite, il est certain qu'on a eu déjà beaucoup de débats autour du principe de précaution hors de France. C'est un principe qui était, d'une certaine manière, quasiment qui est venu des États-Unis dans les années 70, qui a été beaucoup ensuite théorisé par des chercheurs allemands notamment, et des philosophes et des politologues allemands. Mais disons que les États-Unis des années 70 avaient une approche de précaution qu'ils ont ensuite abandonnée. Autre exemple d'internationalisation du principe de précaution, dans la Convention sur la diversité biologique, il y avait le protocole de Carthagène, il y a toujours le protocole de Carthagène, qui indique des questions sur la biosécurité, c'est-à-dire comment est-ce que on peut avoir une approche de précaution, notamment en matière d'organismes génétiquement modifiés. C'était donc une forme de victoire européenne pour essayer de faire diffuser le principe de précaution au travers de la Convention sur la diversité biologique. Et effectivement, il y a eu en partie des travaux que moi je trouve intéressants, c'est-à-dire que le Brésil a beaucoup négocié une fois le protocole de Carthagène validé pour le réinterpréter à la version brésilienne. Et pour certains Européens, c'était une manière de le vider de son contenu. Et donc moi, il me semble que ce principe de précaution, il mérite d'être mis sur la table de manière très intéressante dans les discussions avec les autres pays. Mais effectivement, on n'a pas aujourd'hui un consensus sur ce principe de précaution. Et je pense qu'il est surtout extrêmement important d'essayer d'expliquer comment on y travaille. C'est quelque chose d'extrêmement précis, l'application du principe de précaution en France et en Europe. C'est il faut avoir un certain nombre d'indications suffisamment sérieuses. Il y a une question de proportionnalité entre les indications qu'on a, les dommages qui doivent être extrêmement graves, qu'on peut anticiper, et les conséquences économiques de ce qu'on pourrait avoir comme conséquence une décision de moratoire temporaire. Donc tout ça est extrêmement encadré, et je pense qu'il faut avant tout essayer de faire comprendre comment ça fonctionne, plutôt que de croire que c'est quelque chose qui va en fait être dommageable aux autres pays. En tout cas, ça serait ma position. Et si je peux me permettre juste un point sur la question précédente sur les rapports de force, laissez-moi souligner, et ça a à voir avec cette question du principe de précaution, quand on a enquêté autour de l'affaire des négociations de l'Europe avec le Mercosur, on a enquêté auprès de la société civile environnementale au Brésil, qui nous ont dit surtout n'arrêtez pas, ne cassez pas les négociations avec nous. Le fait que vous négociez avec nous sur le commerce, c'est pour nous un rapport de pouvoir extrêmement important, pour que nous, on gagne aussi des points dans les arbitrages nationaux entre nos préoccupations environnementales et les préoccupations sectorielles, et un gouvernement qui est particulièrement adverse en ce moment vis-à-vis de la société civile environnementale. Donc vous voyez bien que ces questions de rapport de force, ce n'est pas juste un gouvernement contre un autre, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans les pays. Merci Sébastien. Christine, vous avez envie de répondre ? D'autres questions arrivent. Là, il y a une question un petit peu plus politique. Stéphane Boulet vous demande à tous les quatre, est-ce que les prises de position des politiques, notamment français, vous paraissent au niveau de la réflexion que nous venons d'avoir ? Voilà, je vous la livre brute de décoffrage. Oui, absolument.
Non, juste une anecdote, en écoutant et en réagissant. On parle toujours de protection. Moi, j'ai travaillé et je travaille enfin, pour un secteur qui est juste le numéro 2 de contributeurs en balance commerciale française, qui est celui des vins et spiritueux. D'accord. Parlons de mondialisation, parlons d'échanges, parlons de à quel point l'ouverture des frontières et l'exportation a valorisé ce secteur, l'a fait passer du volume vers le valeur, à la valeur. Jusqu'à quel point il pousse à améliorer les intrants, jusqu'à quel point il a permis quand même à des régions de devenir très riches, jusqu'à quel point il a permis aussi d'éduquer les consommateurs vers les moins mais mieux, jusqu'à quel point aujourd'hui on travaille aussi sur les questions de packaging. Sans ouverture des échanges, et d'ailleurs M. Trump ne s'était pas trompé, qui s'est attaqué à ce secteur-là immédiatement sur la France, je pense que ce secteur, qui est encore une fois le numéro 2 en balance commerciale française, aurait beaucoup perdu. Donc là, je démarre la réponse à cette question en disant, il y a quand même des belles histoires, d'accord ? En France et en Europe, celle-là en est une. C'est vrai. Alors la question portait sur les responsables politiques, mais vous avez raison. Il y a le secteur vin et spiritueux, il y a... Est-ce qu'il y a d'autres réponses à cette question ? En réponse à Stéphane Boulet, que je salue, qui est délégué général de la Fabrique de l'exportation auprès d'Étienne Vaucher, et donc qui réfléchit énormément à tous ces sujets. Le débat politique sur ce thème est très compliqué. On parlait tout à l'heure de mondialisation heureuse et de tous les slogans un peu naïfs ou en tout cas enjoliveurs qui ont pu être forgés. Il faut bien voir que dans des pans entiers de la population, ça ne résonne plus du tout. Et que les échanges internationaux ont des effets très contrastés au sein même des pays. Il me semble assez incontestable qu'au niveau mondial, les échanges aient globalement sans doute contribué à réduire les inégalités entre pays. En revanche, au sein même des pays, et en particulier des pays occidentaux, Europe, États-Unis, certaines mondialisations ont frappé de plein fouet des territoires entiers et des classes de population, des couches de population entières. C'est la problématique de la désindustrialisation, du déclassement. Et donc, c'est aussi pour ça que dans le discours politique, on surgit d'abord des simplifications, que ce soit l'invocation pure et simple du protectionnisme sans autre forme de réflexion, comme si... une fois que nous, on a fermé nos frontières, les autres n'allaient pas mettre en place des mesures de rétorsion et de réaction qui allaient à leur tour nous impacter, ou alors carrément de recherche de boucs émissaires, c'est-à-dire qu'on essaye de répondre à une crise économique en cherchant des coupables idéaux, et vous voyez bien notamment à quel type de responsable politique je peux malheureusement penser de ce point de vue-là. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est d'être en mesure d'avoir une approche assez équilibrée et très rationnelle de ces sujets. Alors quand on est soi-même frappé par une fermeture d'usine, c'est tout à fait normal qu'on réagisse aussi avec ces tripes. Moi, j'étais élu d'un territoire où il y avait à la fois des entreprises qui tiraient un bénéfice très important, elles et leurs salariés, de la mondialisation, dans l'aéronautique, dans certaines parties de l'agroalimentaire, dans d'autres secteurs d'excellence, et qui contribuent au rayonnement français, et puis vous en avez d'autres qui ont purement et simplement disparu sous l'effet des échanges. Et donc là-dessus, tout ce dont on est en train de débattre ici, sur les problématiques de réciprocité, de juste échange, de contribution des échanges internationaux à des objectifs autres, sociaux, sociétaux, environnementaux, doit être intégré dans le discours politique et doit l'irriguer. Mais je pense qu'il est très important, dans le diagnostic, de ne pas avoir de naïveté, et d'ailleurs aucun des participants autour de la table n'en a, bien évidemment, mais de bien voir pourquoi aussi cette contestation est montée progressivement. Et l'apogée, c'est le Brexit, c'est la victoire de Trump aux États-Unis. Et c'est aujourd'hui encore la politique commerciale de l'actuel président américain, Biden, qui intègre aussi ce désarroi des classes moyennes et populaires américaines face à la Chine, face aux problématiques de concurrence déloyale. Voilà, peut-être pour recadrer un peu aussi le débat, dans cette configuration-là, c'est très dur d'avoir un discours politique qui soit à la fois honnête, c'est-à-dire qui ne promette pas n'importe quoi, lucide,
ils prennent en compte toutes les difficultés existantes et puis qui essayent de tracer des propositions dans le cadre de l'Union européenne, puisque c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre politique commerciale, et dans ce cadre-là aussi, en réalité, que des résultats significatifs peuvent être obtenus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il me vient une autre question à l'esprit. Alors là, jusque-là, on a essayé d'être assez réaliste et à décrire le monde tel qu'il est. Alors là, je vais vous demander un petit exercice un peu différent, de faire un peu de fiction. Imaginons que Xi Jinping ait entendu notre conversation. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Qu'est-ce qu'il en penserait? Qu'est-ce qu'il ressentirait en nous écoutant? Pascal Lamy. Je vais vous faire une réponse extrêmement provocante. Xi Jinping se fout complètement de notre conversation. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si le Parti communiste chinois va garder le pouvoir qu'il détient en Chine, avec les effets d'entraînement et de leadership que ça autorise. Et une des raisons pour lesquelles la Chine est en train de se doter, un, d'objectifs environnementaux tout à fait considérables, y compris par rapport aux nôtres. Deux, est en train d'investir énormément dans toutes les technologies vertes, et ce qu'on a vu sur les photovoltaïques, on va le voir sur les batteries, et puis sur les prochaines générations de composants de produits industriels qui sont des instruments de décarbonation de nos économies. Donc, je pense que la Chine est en train d'accélérer sur un parcours de décarbonation, de redressement de son modèle de production qui a complètement cochonné son environnement, ce qui a provoqué des réactions de la société chinoise. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans un certain nombre de domaines, dans l'alimentaire ou dans la construction ou dans la pollution de l'air qui a provoqué des réactions très importantes de la population. Donc, je ne dis pas que j'exagère un peu en disant qu'il se fiche de nos élucubrations, mais je pense que, la Chine bouge dans la direction de décarbonation. Elle a adopté un objectif 2060 de zéro carbone qui est 10 ans après nous. Oh là là, la Chine va lentement. Sauf que, elle a adopté entre-temps un objectif de pic d'émissions qui est en 2030, ce qui veut dire qu'elle a 30 ans entre son pic d'émissions et carbone zéro. Et ça, c'est une pente qui, aujourd'hui, est plus raide que celle que nous, Européens, avons adoptée entre maintenant et 2035 et 2030. Et après, entre 2030 et 2050. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la situation chinoise, c'est un des rares domaines dans lequel la Chine sera, à mon avis, immanquablement, pour des raisons de politique intérieure, un partenaire, peut-être plus qu'un rival, un compétiteur ou un adversaire qu'elle est dans d'autres domaines. Merci beaucoup. Christine, vous avez envie moi de dire quelque chose ? Oui, moi j'étais en train de dire que Xi Jinping serait très content parce qu'on s'est focalisé sur tout le débat sur les objectifs carbone et climatique et pas sur parmi les ODD, justice, sociale, sociétale, parité, etc. Donc je pense qu'il serait très content qu'on voit les choses comme ça. Absolument. Très bien, vous avez raison. Mathias, un dernier mot, Sébastien, et puis après on se sépare car ça va être la fin de la table ronde. Je suis d'accord avec l'analyse sur l'environnement et la trajectoire environnementale. Peut-être que la raison pour laquelle la Chine ne se moquerait pas totalement à la fois de cette conversation et puis surtout des décisions politiques qui peuvent être prises en France et en Europe, c'est parce que dans le modèle de croissance chinois et dans ce qui permet au Parti communiste chinois aujourd'hui d'être au pouvoir, il y a le besoin d'une très forte croissance. Et une partie de cette croissance vient des exportations chinoises.
Et je pense que si le Parti communiste chinois veut continuer à asseoir son pouvoir, il doit offrir à la population chinoise des perspectives de sortie de la pauvreté massive, comme ça a été le cas au cours des dernières années. Et donc, il y a un besoin d'avoir un accès aux marchés européens et mondiaux le plus large qui soit. Je pense que dans leur analyse, c'est quelque chose qui reste présent, mais c'est plus une nuance et un complément qu'une contradiction à ce qui a été dit avant. Merci beaucoup. Sébastien, pour un dernier mot. Et de mon côté, de la même manière, je pense qu'on peut croire vraiment pour des raisons internes, notamment à la nécessité que la Chine se verdisse et que donc il y a des convergences. Mais en fait, je pense que Xi Jinping enverrait ses oreilles pour entendre dans notre conversation faire de l'intelligence économique. C'est-à-dire que la Chine veut être celle qui va aussi fixer les normes de la mondialisation verte de demain, de la même manière que l'Europe essaye de le faire. Et donc, plus la Chine aura d'intelligence juridico-économique sur la manière dont l'Europe veut jouer ses cartes dans cette matière-là, plus la Chine pourra essayer de jouer en premier. Et donc pour moi, juste une illustration sur les principes de la finance verte. Il y a effectivement à la fois des convergences et une forme de compétition entre ce qui se décide au comité sur la finance verte chinoise à Pékin, sous la houlette d'un grand monsieur qui s'appelle Ma Jun, et puis ce qu'on essaye de faire en Europe sur la taxonomie. Et donc voilà, je pense que ça les intéresse quand même, mais dans une logique probablement autant compétitive que collaborative. Eh bien, merci beaucoup à tous. Bravo, et cette table ronde était passionnante. Merci beaucoup.